défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté ezali cause ya ba congolais nyonso pour que ba kota bitumba o ezali ko bundama na est ya mboka na biso bana nyonso o bazali ko kufa ko subir ba massacre ba agression bazali na posa lelo ete soutien ya congolais nyonso bipa e biso bozwami e monana parce que biso tolobi ke Congo ezali moko e gotika la ko kabwana te bana nyonso Congo Live Télévision mbote na bino na bandi ete lelo tozali kolobela sécurité et tokolobela lisusu ba marche ya opposition et puis marche ya mouvement ya union sacrée pe ko salema nyonso wana ezali pona nini parce que population ba kotambola na kona na marche ya opposition misu ba kotambola na marche ya ya pouvoir en place ya mouvement ya pouvoir en place tokoyeba yango na kati ya émission ya lelo et bongo tokolobela mapona mi élection oyo ezali déjà ko s'approcher déjà tokseli na quelques moi pour que ton côté élection ma ponami na mboka na biso na zali na sengo ya koyamba mona mboka Dieudonné Kanindah bongo na ko pesa yemba la moko mbote mona mboka Dieudonné Kanindah mbote na yondeko mbote na bana nyonso wa Congo. Merci beaucoup pour avoir pensé à moi dans ce beau cadre toya to pesa makanisi toye bisa ba imboka maivo mezo le kana mboka Congo démocratique to limbola yango ndenge penda balobaka penza na kati penda ya lingala ya solo et puis to riyeba na ko répondre na ba question nyonso ya eux ali énumérer to ko sola mo kolonalelo. Voilà matondo mingi to ko fongola déjà bongo émission na biso na sujet ya liboso lelo oyo force ya SADC e ko kita na est ya mboka na biso ba ko ya na mission nini na est ya mboka na biso. D'abord avant d'entrer dans le sujet, laissez-moi éclairer l'opinion dans la situation où madame la ministre a portefeuille Azali qu'on traversait na ba détracteur na bateau toujours balinga kamboka et avancé té bateau ba message na ba mafia bateau ba message na mes gestion des bazo accusé madame Adèle Kayinda na mayemwa ebelé lokola na maezo sale mamo pandi ya fleuve balobi été mama wana na bandeko ya onatra topé SNTP Bate Kizinga Zinga ya Fleuve Congo. Je vais vous assurer, la dame, elle est pour rien quant à cette affaire. Nandenge bazo créé ba makambu ya sokimo ya kominière, elle ma solo moko ya lokuta da ba laboratoire ya molili o ba fandi ba sangani pona nini ba yaba na ko éternir cette dame combattante o yazali ko bunda pona intérêt ya peuple congolais o amemi ba réforme na kati ya ba entreprise public nyonso ya l'état surtout ba oyezali penza ya portefeuille ya l'état azali vraiment comme ma ba réforme moi ebelé et surtout na façon na ya conseil la mosala rigueur ali na ngona mosala ya ngoba moninde komo ko ala kiwana chargé d'études o balongoli kuna le ya pandi na ba media nyonso ba tinda ka ye pa ya bango ba autorité morale pour s'attaquer farouchement na madame Adèle Kayinda tozo bisa été Ali Mosali Nzambe bataka kaete et toute arme forgera contre la servante de Dieu contre moi na Nzambe Nzambe Ali abundela robe bana na ye akoti kaete yangwala to pesi mama Adèle Kayinda longonya mingi ako babe na musala oyo azali kosala pona kosunga mukonza mboka na kota musamboka ekende liboso. Voilà na banzi ete message komi e komi bongo na matoi ya mukonza mboka parce que Congo Live Télévision e kota ka partout e kota na bisika nyonso ti e pa ya ba diaspora na biso bazali libanda ya mboka na banzi ete maima solobi message na yo e yokami na matoi ya mukonza ya mboka e bongo na banzi ete lelo oyo mukonza mboka akeyi ya negosi akei a participer na sommet ya SADC lelo force ya SADC ezokwea na partie est ya mboka na biso bakokwea na mission nini pona kosala na est ya mboka na biso. Je crois bien le chef de l'état veut rappeler na général moko ya force wana ya EAC ete boye awa pona kobattre la population. Vous devriez collaborer avec la population obino boye pour battre la bango ba yaki wana te pona ba affaire ba yaki wana te pona ki amitié pona camaraderie bayaki wana la force régionale basangisi ya bango ba force pona ko combattre ba dongolomiso bato bali ko bebisa l'intégrité territoriale de notre pays. Nous avons suivi les discours ya président Bemba lors ya sortie officielle ya union sacrée na stade des martyrs à lobby la souveraineté nationale l'intégrité territoriale et ali likambu ya ko négocier té
Soki to bengi baninga tozana bona kati alisanga moko lokola ya Sadek na ba masanga mususu baya basunga biso yakoti ya kimya na mopanzi wana ya este mboka na biso elili kambo moko teke bato ba bato ba likati na biso na tope mokonzo ya bango a démissionné les troupes kenyennes balingi lisusu te ko participer na etumba tope bazali comme ba observateur et ali makambo penza il faut koyeba na ko betela cette mokonzo mboka tuyokaki ye il a été clair dans ses propos et surtout sa détermination de mettre la fin totale na maye ezo salemana est mboka na biso ya Congo. Oyo, nous avons tant déploré, nous avons tant crié, nous avons tant parlé et nous avons vu. Il y a quelques avancées, tout le monde a été néné comment. Brassage, mixage, oyo, bakonzakala, basalaki, et même la bise infiltration. Nous voyons avec la force de EAC comment les officiers congolais, bakatissi nangambia bangouna, pour nous attaquer. Avec aussi l'arrivée du président Bemba, la défense, oui, a sengi, bah reconnaître bah grado wana sans formation. Un général n'est pas n'importe qui, un général c'est un cadre armé. Et voilà le président Bemba VPN aïe a sengi bango bah s'identifier bah CV bah yana bah diplôme ya bango bah kimi bah général mususu bah kayina bango kuna na ngambo ya badongolo misu pour nous attaquer et tozwe bisa badongolo misu bah ba été. Quelle que soit la durée de la nuit, et le soleil finira toujours à paraître. Quel que soit le degré de souffrance, de est, la paix totale sera bel et bien là. Ndengende ko Kagame, Azali, Kolela, Lelate, Mopandjouana, Est, Elia, Bango, Foba, Baba, Zoyango. Biso Petro, Kaki, même le roi belge avait rappelé Nandeko. Nandeko Kagame, qui est la conférence de Berlin en 1885, le Rwanda n'existait pas. Toutes ces parties-là, et elle qui va partir à qui à Congo. Mais si aujourd'hui, le Rwanda, à travers son président Kagame, avec l'audace, a déclaré Temu Panzwana Eli Abango, Yangwana Bisoba Sotoali Nassima Mokonzamboka, Yako. Soutenir et commettre fin totale dans ma maison Salemana Est, Yamboka Nabiso Congo, pour. Namaya este on dirait bato ba obenga ba opposant ba ali bouche ben bango bazela ka soki ba ki autant ba kufi ba misapi na bango na ba clavier ba telephone bango pa ba komi massacre ba bomi ba tubwe mais tango tozo bunda pona force ya EAC ezali installé tango tozo mona ba généraux ya kati ya force wala bazo démissionner ba force kenyenne. Ma force on est allé au président Mokonzambo Kalaki a renouvelé le mandat à Bangote. Parce que toutes ces forces-là, c'est l'État congolais qui dépense de l'argent. Ça coûte à l'État congolais. Pourquoi pas qu'on soit Mbongo, on a nous sur les alliés Kokota, peut-être dans la EAC, les alliés Kokota, dans les LOE, dans SADEC, qu'on soit Mbongo, on a pour renforcer et FARDC Nabiso pour que Bango Pé Koubounissa. Et FARDC Nabiso, à travers l'État de. Quand l'État de siège a commencé, le groupe Wana et ACZ a quitté. Quand le FRDC, ils ont récupéré les territoires occupés pendant 18 ans, les ACZ a quitté. Quand les FRDC, ils ont pu restaurer l'autorité de l'État là où l'autorité de l'État était bafouée. Il y a eu des territoires là-bas, tels que Kassindi, Mahagi, où le drapeau de notre pays ne pouvait pas flotter. Où c'était les rebelles qui faisaient la loi, l'administration dirigée par des rebelles. Mais ma pinga biso elonga ba réussi ko récupérer ba territoire wana mais ba ndeko na bino ba pantisango oh miso na bango mona kaka ya mabe ba niosologue misa pina bango za la kaka bwe ba mona kaka so ya mabe paf ba mwana na ba tweet ba mwana na ba réseaux sociaux ba pantisango nyo sauté parce que le il faut dénoncer Bango. Congolais,
azo sepela na malaire ya bande kone ba congolais. Il y a même ba pantisan ba koma na service à communication ya ba rebelle. Bazo communiquer comment ba rebelle bazo attaquer batu. Pour semer quoi à nos enfants? C'est inadmissible. Ba nyo solo guana. Quand le pays, les choses avancent, ba toi na ba lobagate ba fait d'araki. Quand les choses ne vont pas, quand les frères de ces bazar attaquer, au comment on a mais tant ballon à Kaitumba. Et aujourd'hui, les soldats congolais, les soldats étaient les soldats malheureux, le plus malheureux au monde, c'était les soldats congolais. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi Tshilombo, la vie, la condition de vie des militaires, ils ont s'amélioré. Aujourd'hui, militaires, Alina Soya Santé à Kitoko, on a cadre mort à Kitoko, hôpital militaire, Batongi na Kachachi. Aujourd'hui, l'école moderne, Batongi na Baka militaire. Aujourd'hui, salaire, il y a ma veuve militaire au Bala qui a abandonné. Papa Koufi na fond, bana na ka kokoloba, bengani bango, même quand on a habité. Bana wana tatar bango bunda qui sous le drapeau. Azira qui, ko défendre mboka la biso, tina sacrifice suprême. Il faut qu'honorer bango, qui salaire à ma veuve militaire, et ça augmente pas qu'on permette, bana à ma soldat, autosati comme on a pembe ni yaka kokolo kote kaba maï, policier qu'on dérange, bazo ma kela si batanga na ba ete lo adikolo, ba bengi université, baza la paix, lobby, batu bako kambamboka. Yangwana, tozali toujours na simatata mkonze ekolo, na makanisi nyoso oya ya linango, surtout à travers sa détermination, oyo, yako, luka kimia ekota, nambo kanabiso Congo démocratique. Bato de la makambouya social, makambo non, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas, dollar 23, bilo peso mata, dollar ego kitatina 10, quand il n'y aura pas la paix, toza na kimia te. Bilo konyo se, bilo konyo se koki kokita. Mais quand il n'y aura pas la paix, tu as fait un peu de temps, 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 tu as fait. Moi j'étais à Goma, j'ai vu comment la population de Goma va vivre dans ma méfiance. J'étais à Rutshuru. À partir de 15h, 16h, la circulation s'est arrêtée, tu vas t'envoler à Tenanzela. Mais nous à Kinshasa, nous circulons librement, sans être inquiétés. Hein? Na Rutshuru, na Masisi, motosora bimi basa la prière en cause on va péter au couteau na ba rebelle. Mais ah na Kinshasa ba tu vois les lanzana. Bon, libumu, tokolia nini. Ce qu'on bâtit ba rebelle ba bon ba tu ne ba lingi ba pesa biloko. Problème ya social, on peut résoudre ça dans quelques peu de temps. Social on va tu vois l'obaka. Même la justice équitable fait partie du social. Nous avons rendu l'effectivité à état de droit. Hier, l'état des droits était un slogan. Et aujourd'hui, l'état des droits, c'est une vérité viable. Quand on veut vivre. État des droits. Et le état des droits, justice, et à travers l'IGF. Moussa, l'IGF, ça. L'IGF n'est pas l'invention de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'IGF a été éclairé par l'ordonnance processuelle depuis 1980, je crois, 84 ou 85. Mais sous les régimes, ils ont détruit la patrie financière de l'IGF. Et aujourd'hui, mis sur l'État, ben ils savent qu'ils sont en cala. Polier en gros Bella. Les lois avec IGF et Bella et Bellaté, mis sur ma vendeur IGF et Liwana en amont et en aval. T'as rien juste contre ce dossier, bon IGF a été mis. Bon on est salani, bon on est kendoab. L'IGF a son l'un des nombres de détails. Bon son bac est stylé au combien? Wapi? Facture n'a pas wapi. Mais hier. Mais sur l'État, et comme on a ma poche à battu. Hier, ma recette publique, n'a ma poche à battu. Un individu, surtout le phénomène à Jean Pierre, il paye les agents quand il veut. Moi, j'ai un coup là qui est au Canada, qui est un anniversaire. Moi, j'ai un premier communion, moi, j'ai fait un temps à Dubaï. Ah, ma fonctionnaire, ma tikali, nananzala. Mais avec l'IGF, toutes ces histoires-là, et ça, les maradis sont soutés. Mais aujourd'hui, je vois des criminels économiques tels qu'un monsieur comme Matata Tamponio. À quoi mon opposition? Parce que si nous étions dans une république où les gens normaux, un monsieur comme Matata Tamponio, il peut passer à la télé, il peut vraiment descendre sur le terrain à marcher. Alors, bah, non, il va marcher. Moi, Namboka, Dieu donné Kaninda. Donc, il y a des gens. Justice, il y a mon copain à vomir, Matata Tamponio. Non, le problème. Il y a l'état des droits. Écoutez, l'état des droits fait une justice équitable. Une justice équitable nous place tous dans l'égalité devant la loi. Matata Tamponio n'est pas un citoyen spécial comme tous les autres citoyens. Il sera déféré devant son juge naturel.
Mais ça, si c'est la troisième fois qu'on refoulé. Écoutez. Quand les juges corrompus de la Cour constitutionnelle ont tenté de laver Matata Ponyo, Matata Ponyo est poursuivie pour des effets qu'il avait commis en tant que premier ministre. Il n'est pas poursuivi comme un ancien premier ministre. Il faut nuancer. Et d'autre part aussi, Matata Ponyo n'est pas poursuivi comme sénateur. Parce que la juridiction pour juger un sénateur, c'est la Cour de cassation. Il n'est pas, les infractions qu'il est poursuivi, ce n'est pas en tant que sénateur. Il est poursuivi pour les effets qu'il a commis en tant que premier ministre. Bazo jugé la qualité de premier ministre. C'est ça, c'est noir sur blanc. Mais même les professeurs de droit qui nous enseignent, ils sont dans des bouillabaisse, dans ma potopoto, kanyaka. Hein? Donc, Bazo le combat, comme ça, corruption, quoi, monnaie courante, la ksagabiso, ok. Dans Congo, tu peux tout avec, si tu as des moyens de l'État. Matata Ponyo est devenu millionnaire, par quelle magie? Il a hérité ses millions ou de ses parents? Mais il a hérité ses millions. Il a travaillé pour la République. Il a travaillé pour la République. On connaît son salaire. Le salaire de, il peut nous dire son salaire et tout ça. La calcule. Comment il a hérité ses millions? Mais si son salaire, il est connu. Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, il a dit sur une radio de la place, Top Congo FM, le salaire du président de la République. Il a dit publiquement, au vu aussi de tout le monde. Montaloni Masangu na Bukangalonzo et Bougui Université na Kindu baloba baloba te parce qu'il est candidat président de la République. Mais azaye mokote ba politicien belé ba zali kotonga ba université mon ami. Netina ni sous tonga. Martin kanga tonga université, c'est pas il a travaillé où dans la politique. Mais c'est un Congolais, un homme d'affaires, Azumbongo na ye, Mutombodi Kembe a construit son hôpital. Il a exercé quelle fonction dans la politique? Vous voyez, nous parlons de l'hôpital Bien Bamari de Mutombodi Kembe. Un citoyen congolais, bon, on a joué dans le basketball, a tongé le goyaye pour aider ses compatriotes. Le problème, c'est que quand on a université, ça n'a pas bêté. Il y a des individus qui ont des universités, le professeur Tsama, l'université de Sepromane. Il y a Révérend Kim, un prêtre, un pasteur protestant. Il y a des gens qui ont des universités, ce n'est pas un problème. Le problème qui est là avec Matata Ponyo, l'argent de l'État, des contribuables congolais, c'est ça, bon, on a dit ça. Moi, mon ami, ça. Et ce qui m'a lobby, parce que dans ce pays, tu exerces une fonction publique, où il y a l'État, pour qu'on se protège, qu'il y a une opposition. Ce qui est juste, c'est que ça, pendant sa candidat, on va marcher comment dans ce pays? C'est pour ça que nous voulons instaurer un État de droit. Pour que la congolité ait le pouvoir en place, Adali, qu'on mette en place pour. Non, congolité. À exclure, moi, dans mon cas. Congolité, et Zali, il a le pouvoir en place. Les députés ont quel rôle? De légiférer, créer des lois. Ce qui moi la mboka moko noetiani à réfléchir à pesi makale sinaye ngai na moni boy pour azala boy député moko a sepeli na makanisuana parce que tiani n'a pas la qualité d'amener makanisho yaye na assemblée nationale proposition de loi il faut un député national comme mango voilà un député eloko eli malamu mingi tikana memengo nesika ya balobeli bakeli mibeko a memi yango na ndako bakeli mibeko. Maintenant, il y a un cas politique qui s'agite. Pourquoi vous êtes-il agité? Oh, la loi, une fois proposée à l'Assemblée nationale, lorsque l'initiative est venue de l'Assemblée nationale ou du Parlement ou du Sénat, c'est la proposition de loi. Une fois la loi est débattue à l'Assemblée nationale, adoptée, promulguée par le président de la République, publiée par les journaux officiels, la loi devient opposable à nous tous et impersonnelle. Il faut garder ce caractère de la loi impersonnelle, permanente, contraignante. C'est-à-dire, la loi, elle est impersonnelle parce qu'elle s'applique à nous tous. Pourquoi ces gens-là sont-ils agités? Bah, créer la loi pour un individu pour un, ou un groupe d'individus. Non, la loi, elle est générale. Pas d'abissonniance. Mais je ne vois pas les cas de Kachobwe, ils sont agités. Pourquoi? Non, parce que moi, dans beaucoup dans ces cas-là, ils ont aux élections, il a déposé sa candidature où? Mais parce que jusqu'à la preuve du contraire, la CENI a enregistré aucune candidature à la présidence. Alors, attendons voir. Pourquoi vous êtes-tu agité? C'est que ce qui m'a obligé ne peut exercer la fonction
du président de la République qui est la précision du fonctionnement de notre pays. Il faut protéger ça. Que les Congolais de père et de mère? Pourquoi y a-t-il des agitations? Mais l'opposition va accuser Pemon Amboka Félix Antoine Tshisekedi Balobi était et... Maman Marthe Azali Pena d'origine angolaise. Maman Marthe est présidente de la République. Maman Marthe est candidate. Elle sera candidate, tout à sa candidate. Donc, si Maman Marthe est d'origine angolaise, donc c'est que Pemon Amboka Félix Antoine Tshisekedi. Mais Maman Marthe, elle est kassayenne de père et de mère. Elle est kassayenne. Kassalou, ce nom-là, ça vient d'où? Les noms que nous portons, comme moi, mon nom, c'est Kanina. Ce nom est tiré des patrimoines congolais. Donc, si vous allez dans les Kassai chez nous, vous retrouvez arrière-grand-père. Je vais vous dire, je suis de Tchitchankou. C'est mon village de regroupement de Benangeleka. Si vous allez là-bas, je me présente, on va me situer jusqu'à ce que vous présentez notre ancêtre. Donc, je suis congolais authentique. Mais est-ce que... J'ai des origines dans ce pays. Est-ce que la loi de Noël Tchani et Zali loi Moko est discriminatoire? La loi déjà elle-même elle est discriminatoire. La loi nous place tous de l'égalité devant la loi. Mais il y a l'exception dans cette proposition de loi, dans cette disposition de loi. La constitution que nous lisons, vous et moi, elle dit tout Congolais naissent égaux en dignité et en loi. Mais il y en a sénateurs, les lobos arbres, ça me place mon côté. La même loi parle des privilégiés des juridictions. Donc, c'est-à-dire, la loi déjà elle-même, elle est discriminatoire. Tant que Balobique ne peut être candidat président de la République que celui qui a 30 ans. Pourquoi les gens n'ont pas contesté cela? Alors, la loi congolaise réglemente que les majeurs commencent par l'âge de 18 ans déjà révolu. Mais la loi nous dit que pour être candidat à la présidence, il faut avoir 30 ans. Pour être candidat député national, il faut avoir 25 ans. Mais pourquoi cette discrimination de loi, on ne parle pas? Donc la loi, elle est déjà discriminatoire elle-même. Donc c'est un faux débat, n'entrez pas dans ce débat-là. Au sein de l'Assemblée, ils ont des juristes qui se pointent la poitrine, qui sont des éminents. Juriste Motete, là, le nom m'échappe. Bandegonara Batete, là, excusez-moi, c'est une façon de constituer Moutoumoura, le nom m'échappe. Hein? Ils parlent beaucoup. Il y a débat pièce contre pièce. Pourquoi vous êtes contre? Au sein même de cette formation politique, il y a des députés. Et cette loi va passer à l'Assemblée nationale. Si les députés ils sont contre, amenez vos arguments à l'Assemblée nationale, réussir à convaincre vos collègues députés et discuter ensemble. Pourquoi y a-t-il des agitations? Mais parlons. Et je vais lancer un message à Moïse Katumbi. Attention, Kinshasa n'est pas Katanga. Va faire la marche à Katanga chez vous là-bas. Là, c'est la discrimination. Ce n'est pas une discrimination. Non. Parce que Moïse Katumbi est allé congolais. Kinshasa est allé à Katumbi ne peut pas là pour distraire des Kinois inutilement. Bala Kini, quand il y a l'idéologie à la rabote, il y a un bon moment où il y a un bon jour à marche pour la Libapungi. Comme ça, Azouaba, il y a un trip, il y a un marché total à la banque. Voilà, parlons de la législature, surtout que dans la session, il y a mars déjà. Tout le monde était dans la loi qui est non recevable. Il y a septembre passé, mais la session est commis recevable. Tel que Congolité, tel que loi, il y a honorable Daniel et Mbaou, il y a $500, il y a d'autres. Est-ce que la législature est en train de se faire? Depuis ma bandit matière va traiter quand il y a un roi, tu es sûr? Toujours le baba matière où ils allaient qui non recevable. Parce que tu as dit que déjà promulgation ils allaient déjà en cours pour la loi réserve et armée. Il y a une procédure à suivre au sein du Parlement avant un député a même ma proposition de loi ou un membre du gouvernement a un projet de loi. Il y a des procédures à suivre. Et avant, ce qui l'Assemblée nationale a adopté, toi, Ndimi Yango, avant Batin Dango, la présidence pour la promulgation, chef de l'État promulgué, pêche non officiel a publié la loi et les kakana contrôle, il y a conformité à la constitution. On doit comparer, au niveau de la Cour constitutionnelle, si cette disposition, elle est conforme à la constitution. Si elle répond à toute cette procédure, les candidats sont là, mais ils ont dit que la constitution
La loi sur la dot des gens, bazo soit un mabé. La proposition de notre ami Honorable Mbao, elle est pour ajouter quelques éléments dans le code de la famille qui existe déjà. Ce n'est pas le Kwasika. Aïe, comment ça quelqu'un manque ici? Oh, aïe, en tant qu'un élu, en tant qu'un enseignant de droit, dans le code de la famille, oui, déjà existe. Le débat est déjà en cours dans l'Assemblée nationale. Mais tout le monde député Morabi qui est barbu ma bise sur le pour mais honorable 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 c'est la réalité c'est la réalité aussi et puis que n'importe quoi la bise au corps va comme colucaco justifier leur immoralité sur le passe public qui se gêne pas on parle de choses sérieuses. Vous voyez un monsieur un père de famille il vient pour défendre des choses qui non, à l'objet, on a 100 voix, oh, bah, yo qui sonne, on a la place publique. La loi congolaise reconnaît le mariage monogamique et non polygamique. Et certains ne parlent même pas de la polygamie. La loi, elle est juste pour réglementer le secteur de la dot. Parce que, exagération comme Mike. Moi, personnellement, j'ai été contre ça. Parce que le problème de la dot, elle est gérée, réglée par la coutume. Que la coutume, elle est tellement particulière que la loi, c'est la loi qui est générale. La coutume, elle est particulière. Donc la coutume, Tetera ne peut pas sanctionner la coutume Congo. Voilà pourquoi, même il y a une différence entre la coutume et la loi, se situe à ce niveau. Parce que le problème de la dot, c'est un problème qui est lié à la coutume. Il y a d'autres coutumes, sur le plan de la dot, on ne demande rien. Donnez tout ce que vous avez. Il y a d'autres coutumes aussi, sur le plan de la dot, on exagère. On demande des milliers de dollars. Il y a d'autres coutumes dans ces pays, Baba Lava, Nabangombe, Misusukwen Taba. Donc sur ces questions-là, hein, l'honorable doit un peu essayer bien de faire ses études, de réfléchir sur tous nos olis. Bapé Sabisol, Bibé Komoro, il y a bien, pour la réglementer, surtout ce secteur, il y a fiançailles. Il y a des il y a 12 mois. Tout ça, dans le pays, oh, qu'ils ont fiancé, il y a 12 mois, il y a 15 ans, le problème de fiançailles, c'est qu'il y a deux personnes d'une relation amoureuse. Et ça, c'est qu'on monter, mais ça, c'est qu'on mis côté. Il y a 12 mois, après 12 mois, soit fiancé, il y a qui. Non, non, ce n'est pas ça. Et quand est-ce que d'abord les fiançailles commencent? Ils doivent nous dire ça. Pour les fiançailles, on va te couper une terrasse, on va au restaurant, on va appeler ça numéro, on va dire qui fiançailles. Non, fiançailles, ben d'accord, na prédot, tant que moi mon bail. Et il y a d'autres coutumes, la prédot, il y a des coutumes où la prédot n'existe pas. On vient directement doter, on ne vient pas prédoter, on vient directement doter. Donc sur cette question, il faut un peu mettre un peu, il faut veiller sur ça pour ne pas énerver. La constitution de notre pays. Voilà, mon amboka a dit donné kaninda aux alipe moko ya union sacrée to ricolo ba ya pouvoir en place. Lelo oyo bande ko yi de pèse tant on avait ko préparer émission bande ko yi de pèse ba zaliko tourna balobi tourne langa ba invité o tourne la biso ba invité na bino été union sacrée. Il ba parti o yé na kati ya union sacrée ba yé na mission moko. Ko étouffer yi de pèse et ko combattre président de la République à réussir té. Vous savez, dans chaque groupe humain, il y a toujours des problèmes. J'ai beaucoup de respect à ce grand parti IDPS. IDPS, c'est un arbre généalogique de tous les partis politiques. Tous les grands leaders de partis politiques qu'il y a au Congo, Bautan à IDPS. Tout, j'ai dit tout. La majorité. Un bon nombre, il y a un grand leader de parti politique en Boko Nabiso, Bauta na IDPS. Sokozui, MLC, Maman Bazaïba, IDPS. Chadari, elle ancien fédéral à IDPS, il y a Maniema. Donc il faut vraiment beaucoup de respect à ces grands partis. Oh, le lot soit comme au bête en solo politique, en toute indépendance, en toute liberté. Parce que ces partis-là, il y a eu des hommes et femmes. Oh, bah, brava qui perd. Bah tellement qui peut nous bouder là, bon car tout comme on a niveau tout comme il est là. Voilà, tout comme on a niveau tout comme il est là. Est-ce que l'élo Oyo, est-ce que union sacrée, est-ce que union sacrée, ezali na vie moulaï comme on a été, colandi ça a été, population congolaise basé là qui union sacrée comme on a une nouvelle classe politique, mais union sacrée
Union sacrée lelo oyo ezali toujours na ba ressortissant oyo ba mena combat na Mobutu na Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila oyo ye moko alobaki ke na zangi 15 personnes autour na ngai mais ba le même batu wana ba yeli susu pene pene ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi ezali président de la République actuellement. Est-ce que Union sacrée ezali na vie moulai Léopard Tango asaki b'exploit na Cannes ezaki même joueur ba même entraîneur mais ba entraîneur différent équipe moko kaka wana ibenge ba pesa singi bien bito mona ki problème ezali ya entraîneur ezali ba joueur wana te toyebi l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. On connaît qui est qui a fait quoi dans ce pays. L'Union sacrée est le dépositoire te ya ba criminel économique. Il y a un génocidaire intellectuel. Il y a un bateau qui est beau, mambo, qui est pire comme ensemble. Je suis un bateau qui est bien aimé. Il y a un bateau qui est sacré. Il y a M. Kabila, laissez-le reposer. Il appartient au passé. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais le plus important, c'est que tu es Gérard Baron, tu es Jimé Lamilaï. Tu es un bateau pour l'intérêt de la nation. Venez. Maintenant, gérer Bango Bwe. Tu as un lissou, Nicolas Lissou. On a un salab et un keba. Pour l'Union sacrée, Fachi ou rien. C'est ça. Fachi ou rien, Nakati, à l'Union sacrée, Lelo Oyo. Visionne l'Union sacrée et Zalina pour la population congolaise, Mobimba. L'Union sacrée est là pour travailler pour le bien-être de la population congolaise. L'Union sacrée est là pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise. L'Union sacrée est là pour refonder l'État, restaurer l'autorité de l'État. L'Union sacrée est là pour renforcer aussi l'autorité de l'État, là où l'autorité de l'État était bafouée. Donc l'Union sacrée a plusieurs défis à relever par rapport aux anciens régimes, comment nous avons déploré leur mauvaise gestion au sein de notre pays. Voilà, parlons tout le bel alikambo ya ya marche ou ya opposition ezali bongo le 13 mai awa. Tomoni Union sacrée le 29 avril a sali plein à stade de martyrs. Wana zakelo plein ya Union sacrée zakelo ko lobelate. Pour Union sacrée za Ligue des Champions. Il y a des partis champions au qui ba tondi sur le stade wana plein. IDPC et Monko sans les alliés et en mesure ya ko sala plein à la qui ça moi plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est des martyrs. Et puis, il y a Sambongwa. Il y a Sapolo. Lelo Oyo, opposition, ils ont tambola samedi les 13. ACP, Argentine, Ngobila. Sorte officielle, là. C'est des martyrs, ils sont là. Mais, opposé, il y a un solo et bima pour nous soudoyer. Voilà, qui est-ce qui va prévu? Neti Ngaï, ceux qui basent, il y a Ngaï. On a joué le transport. Il y a un des martyrs. Ils ont repris ça, il y a na moto nzamba pesinga na bite bandeko na ngai to tambo na makolote to zo moins deux bis to comme ça sur le stade de martyrs ezako ko pesa batumbo ide pesa o ya décria qui régime ya kabiliste oyo à chaque fois ide pesa na na droit na ye ya ko sala manifestation ya ko sala ezali même constitutionnel et lelo oyo régime ya kabila ezala ki ko pekisa yango lelo oyo marche ya opposition ezali le 13 est-ce que pouvoir en place et combattre gaz lacrymogène osokole ngato na mamba ide pesa bo ndenge. Je suis de l'Union sacrée, je ne suis pas de l'IDPS. Luka bato IDPS surtout la bonne question, mais Bali bato tout ça la bonne est tomba. Tout à fait parce que na yebi zela na yebi sayo, zela na yebi sayo. La marche elle est bit pacifique. Mais si vous voulez terroriser la ville, hein, si vous voulez troubler l'ordre public, policiers mettez l'homme à bout. Pour les opposants. Entre nous, soit dit. Ce qui est l'objectif, c'est que nous avons saccagé ma partie politique. Je vais mettre là, ma banque, parce que tu es de l'opposition. Je vais mettre là, ma banque. L'opposition, il y a la tolérance. Il y a le binôme, il y a le binôme. Oui, rencontrons-nous dans des idées. Nous avons milité dans ce pays pour la non-violence. La non-violence. Si Bandekoa Babi va au marché, les régimes ont des informations, oui.
Mais l'autorité urbaine a aussi la possibilité, s'il ne sera pas en mesure de sécuriser cette population, il peut refuser. Mais le régime est d'information. Mais tout le monde est déjà, parce que ça commence déjà à parler, parce les que... Zélana nous non, parce que les 13... Les Zali Kotambo là. Mais Zali peut être un mouvement et il y a une union sacrée Kotambo là. Est-ce que Zali était déjà rencontré opposition? Mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Bobby, vous savez, vous savez, tout ça la marche. Et ça, il coïncide même jour, même itinéraire. Mais c'est un bon combat de la démocratie. Et vous créez un incendie. Non, non, mais vous savez, tout ça, violence, incendie, rien vous créez. C'est qu'à Bamone, on est mal intentionné de nous attaquer. Nous, depuis la nuit des temps, nous sommes de non-violence. Tant que nous avons dit, Pembe, et quand nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Bangonde, baza bato, baza mal intentionné, bato, baza habitué à l'intolérance. Dans le 13 mai, événement Zamoko, bana nyonso ya majorité populaire, na président Boni Kamunga, na moninde konabiso mokonza mobondo, Jekobe ya vision fachi, tozalane belé le 13 mai, soutenir ma institution na FARDC. Hein, encore na marcha kala, na rozalane na mou sur terrain. Pour soutenir nos institutions. Est-ce que vous avez une provocation? Parce que l'opposition a attaqué date na aide. Tu as provoqué banane. Opposition? Mais surtout, tu as un Congolais. Nous allons marcher, c'est 13 pour soutenir les institutions. Ceux qui ont délocalisé marche, ils ont été en train de se faire à l'aéroport. Et il y a un problème. Bati qui me sont très vite au marché, ti, tu reçois qu'on a terrestre, tu reçois le stade de marché, tu reçois le palais du peuple, tu reçois le mémorandum, on a vu ça. Pour nous dire que la population kinoise, elle est tellement mobilisée pour la marche à les 13. Déjà, le président Boni Kamunga, moi, je suis mobilisé. Plus de 4 millions de kinois dans un terrain, jour. 4 millions de kinois. Je suis déjà mobilisé sur Founa, cette commune, on a déjà mobilisé. Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bandal, Selemba, Obumbu, Makala. Pali mobilisé. Bazo ben ngangayi. Pona le 13, Toro Bandandenge Nini. Président Boni, son téléphone, ils ont sonné à tout moment. Bana Ngaba, Bana Mombele, Limete, Lemba, Kisenso, Matete. Mobilisé. Jekobe a yé mon nom, Mkolo Mobondo. Déjà. Mobondo, dans le moto ya batu. Mobondo, Fachi, c'est le politicien le plus populaire du Congo. Te démontrer qu'il est le 29 avril, na stade de martyrs. Te relaxabino le sous le 13. Et vous allez Mobondo ya opposition te. Parce que opposition pas allé na le bien, opposition depuis Mabando, ça va faire la marche de santé. Hein? Mon cacher boya tambola kalaibi Kinshasa te aya mona banzela Kinshasa tambola nde baboma Kinshasa mata tamponyo azo ta chance ça ka marche de santé. Hein? Moi je peux pas marcher à côté de Kachobwe, à côté de ce monsieur là, l'homme de la cravate rouge. Non, ces deux personnes là bas détruisent mon qu'on a dû sortir de l'autre côté là. Ils ont détruit notre pays. Et Katumbi tika Katanga, il était le gouverneur ya grand Katanga wana nyoso. Tale lo mama fifi masuka akomi ko bomisa lwa laba o yeba evatela ka biso la distinction suprême le meilleur gouverneur il a fallu mama fifi masuka kende kolozi le lo allez-y à kolozi la dame elle a construit des routes elle a réhabilité les routes là où les routes n'existaient pas elle a construit des entreprises des écoles tala gouverneur ya lwa laba ndenge batongi ya t'as là l'élo, image de la province de Lualaba. Nde qu'on a vu ce Wanan, Jacques Kiaboula. T'as là la Lubumbashi, Moussala qui t'a condé Salem. Katumbi, Asela, Bissot, Lubumbashi, République, il y a Golf. Nde qui m'a dit, Asela, Bissot, République, il y a Gombe. Ma combe, à la Gombe. Sauf qu'il y a qui sait, ça venait de la paix qui m'a dit, Asela, Gombe, on a taillé bien. Il a fallu Ngobilaya. La qui sait, soba mon anzela, l'avenir de la paix. Il a fallu Jantini Ngobila, Elenge Samuinde Kota. Il a fallu Jantini Ngobila, pas Bongolo, et sa réhabilité. Il a fallu Jantini Ngobila, avenue université. Avenue Kikwiti.
Il a fallu Jean-Tini Ngomila. Lelo oyo, moi n'ambo kozali na kati ya Indo. Oh Kinshasa, ba loka ngo na libulu manzegele mboko yoko bonga. Te Jean-Tini Ngomila bi au nom de Jésus Kinshasa ngo na zo bonga. Tala Kinshasa des éclairés. Oza na kati. Ba fulu yo o kimbuta tika na biso azo mona wa tse ba pont de fer na chaque coin ya ville. Yo mona ngo lisusu. Tout. Fulu a ouleri. Fulu ya arema baya. Fulu ya sayo. Kinshasa combien Kolumba solo? Mais sous Jean-Tini Ngomila lelo Kinshasa zali kodinda. Maman, papa, problème il y a inondation. D'abord l'inondation fait partie des catastrophes qui est naturelle. Même dans des grandes villes du monde il y a des inondations. Ma partage avec Jean-Tini Ngomila, inondation maïekotonda mais moins de 20 minutes ma ici les eaux canalisées. Tala na stade de Martin Bosande ba tongi kanivo ya munene. Je suis natif de Matongé. Tala venu Oshwe, avenue Kenda Sam. Tala était na moya laki. Mais les gens, je vous assure, dans 2 ou 3 jours, les cas venus au chef, béton à béton. Les cas venus Pozo, était de la Brema et à l'Aki. Bah, caniveau, bah, curé, eux, ils ont provoqué bah, inondation chaque jour. Mais Ngomila mérite encore la ville. Tant que ça, là, plutôt que ça. La ville est éclaire. Sur le plan, il y a embellissement et ville. Les gens, il y a boulevard Lumumba. T'as l'image, ils ont fait ça. Les gens, ils ont il y a stade des martyrs, dans l'avenue triomphale, Topé boulevard triomphale. Tandé, tu vas voir la pelouse. Après quelques mois, beaucoup moins on a fait sa image. Zo place de la gare centrale. Comment cette place était décorée pendant le moment de la festivité? Jean-Tini Ngomila est en train de redorer l'image de la ville de Kinshasa. Les Kinshasa des années 60, 70, 80. Mais oh, bah, qui nous a déploré, bah, allez qu'on déplorer. C'est ça, des détracteurs. Bah, on reproche Ngomila en quoi? Bah, en quoi Ngomila est mauvais? Les Banzela et Tondimaï. Zela ni nous sommes Tondimaï. N'attends que le Banzela, Babongisi. Ngomila a construit des routes là où les routes n'existaient pas. Je dis bien, là où les routes n'existaient pas. Avenue Njoko, la deuxième entrée Yanjil. Vers c'est comment Nzela on a amené. Non pas seulement ba tongi Nzela, mais ba éclairer yango. Hein? Ngomila est en train de faire un travail. Lelo oh moi na mboka dia donné kani nozali na kati ya union sacrée, mais tozali komona ndenge kani union sacrée kaka bino na bino ba membre ya kati ya ba parti politique bozali ko constituer union sacrée, bozali ko ndongwana na kati ya union sacrée. Mais problème ya linini? Problème ya linini? Na famille nous sommes problème ils ont gardé. Y a une union sacrée mais beaucoup comme ça moi si j'ai. Na famille nous sommes problème. Les noms ont été allés comme on a négénini na Tanganyika lelo président et assemblée provinciale ont été membre y a AFDC y a parti cher à Bahati Lukwebo sénateur et président et sénat na gouverneur ont été y a IDPS bangonyo ce parti y a union sacrée. Ndeko bazali kolo le gouverneur ya Tanganyika zali déchu. Ndeko bati il doit être sincère avec le chef de l'État. Il doit être sincère. Déjà le monsieur quand il a tenté d'avoir le contrôle de la cour, imposer son homme, son type à la cour constitutionnelle, il avait quelle intention? Il est le dauphin constitutionnel du président de la République. En cas d'empêchement, en cas d'IDC, en cas de destitution, c'est le président du Sénat qui prend la place. Mais quand le président du Sénat, a connu Koluka, a un côté samoutouné, a court dans ma case, ça pour autant respecter le règlement intérieur du Congrès. Babiette, le Parlement doit se réunir en Congrès pour choisir un membre de la cour. Il y a un tabi, tel n'est pas posé Moutounaï. Intention n'est pas la Guinée. Toké na Este. Na, si tu veux, avec Théon Mbabidje. Il y a eu des problèmes là-bas. Est déjà, c'est la partie qui dérange notre République. Mais bah, tu veux encore créer une crise là-bas avec Théon Mbabidje parce que Théon ne veut plus de lui. Si ses intérêts ne sont pas garantis là-bas avec Mbabidje, il va tout à chercher la tête de Mbabidje. Mbabidje a été rétabli par la Cour constitutionnelle. Il instrumentalise les députés provinciaux. Ici à Kinshasa, il a des problèmes avec ses alliés, avec Dembikaï,
avec de Mama Del Kainda, avec presque avec tout le monde. Il a fait bénéficier de son fils, à l'espace de trois de son petit beau-fils, à l'espace de 3 mois, 2 ordonnances présidentielles. Il était nommé administrateur à la SNEL. Il vient d'être nommé vice-ministre. Le monsieur à Médecins sans frontières. Donc on a parti, ils sont pas là, ils sont chargés de titres dans ma cabinet. Oh, bah, notre technique va qu'on salate. Mais les lois, ils allaient pour bagner ça, parce que. Non! Résidium, il y a l'union sacrée. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire que M. Batilkoub doit être sincère. L'union sacrée, nous voulons les gens qui sont sincères vis-à-vis de leur engagement avec les chefs de l'État. J'en ai vu seul au Romoro. Bisson, l'union sacrée, tout le monde a rafati. Donc, si on déraille la vision Fatih, au moins, on a mis son Nzela, on te retombe dans le monde. Là-bas, on a vu ce qu'on ignore, c'est que Fatih ou rien. Donc, comme on a travaillé contre les mécaniciens, moi, on a mis Fatih. Tu es le mélange, tu es le mélange, tu es le mélange. Tu es le mélange. On a qui se gouverne en Gobila? Azol, on a mis son IDPS. Voilà. La plus grande question. Hein? Écoutez. Notre frère et ami Yagombe, il a manqué publiquement le vice-gouverneur du respect. Vice-gouverneur et nous, de l'IDPS. Il est frappé par la subordination et il y a un chef na hiérarchique. Et bon, il y a un peu de données au Yangaliema. Il y a commune Yangaliema. Oyo, 3 mois Mobimba, commune, maison communale Mobimba, il y a. Prenez par exemple le cas de la commune Kalam. Mais c'est Charles Louboya. Louboya est allé menacer les bureaux des services de renseignement. Quand vous touchez les services de renseignement, vous touchez directement la sommité à la présidence. C'est un service qui est entaché de la présence de la République. Et la vidéo est là, au vie au-dessus de tout le monde, sur les toits, tout le monde dans cette vidéo. Et si le gouverneur Ngobila tire des conséquences sur de pareilles histoires, témoigne à notre explication. Si il n'est pas clair, il est frappé par une sanction. En quoi Bazo Bundisa, au chef de l'État nommé à IDPS. Mon le gouverneur Ngobila n'a pas le pouvoir à Wolongola. Parce qu'ils sont nommés par l'ordonnance présidentielle. Mais il peut sanctionner. Comme il a sanctionné celui de Kisseso, comme celui de la Gombe, il y a Kalam ou bientôt. Et puis la population à Kalam a réclamé Bourgoumé, c'est la banque à Kalam, Jean-Claude Kadima. Bana Kalam, Lélo, j'étais avec eux, je suis moi-même de Kalam, ils ont réclamé Bourgoumé, c'est la banque à Jean-Claude Kadima, Kalongé. Baba avec Kadima, Bangambo, tout le monde est en moté, au bout de ça, dans le bureau. Voilà, moi, je suis en moté, je suis en moté, je suis en moté, je suis en moté, je suis en. Question à Souka peut-être, tokoki ko lobalelo ezali ba élection ma ponami. Et comme déjà na 2023 dans quelques mois awa tozali ko kota na ma ponami. Déjà na mois de juin ba dépôt ya candidature, na mois de août ba dépôt suit ya ba candidature président, ba mois de juin ba dépôt ya ba candidature ya législature. Est-ce que lelo oyo mboka na biso et koki kozwa développement na sima ya ma ponami? Il est de notre coutume, de la coutume constitutionnelle, chaque 5 ans, le pays a l'habitude de renouveler, soit de retirer la confiance ou de renouveler. Il y a un acteur qui est en Bambouka. Il y a un acteur qui est même point. Et pendant que l'opposition est en train de se distraire, nous nous préparons pour les élections. Opposition, bazana on a une distraction. Réforme électorale, la loi électorale, consensus. Nos délégués ne sont pas là. C'est Didier Manara et d'où. Mais peut perdre Bazali Koro. Peut perdre Didier Manara. Didier Manara. Didier Manara, c'est un député national élu sur la liste de peut perdre. Et puis président groupe parlementaire est PPRD. C'est lui qui nous a même promis qu'il va nous surprendre à l'Assemblée nationale lors des élections. Il y a
Il y a bureau de l'Assemblée nationale. C'est Manara qui nous a même promis que nous serons surpris. Il est du PPRD. Azara Katia Seni. Hein? La loi sur la CENI ou la loi électorale, c'est le fruit. Il y a G7, groupe, il y a 13 parlementaires, dont de l'ISSM a fait partie. Hein? Mon aîné Claudia Lubaya. Mais aujourd'hui, ils sont de l'opposition. Ils contestent même leur propre matière où ils ont élaboré, ils ont été légénités. Hein? C'est le travail personnel. Marie Thomas Lokondo avait participé. Le travail des 13 parlementaires. Ce sont eux qui ont proposé la loi électorale. Et cette loi, elle est débattue à l'Assemblée nationale. Hein? Là où les vrais débats se passent, ces gens-là n'ont pas l'habitude de parler. C'est ça, c'est un député. C'est ça, c'est un député. Sur le plan scientifique, j'apprécie l'homme, j'aime sa cohérence, j'aime sa façon de parler, sa façon de réfléchir, sur ce côté-là, coup de chapeau. Mais politiquement, il fait des jeux politiques. Là où le vrai débat se passe, il sera là pour traiter les autres de voyous et parler dans la rue. Comprenez? Mais est-ce que nous pouvons compter, Togo compter na Bazala qui dit batté, nous savons déjà le calendrier électoral, bientôt le Parlement va nous donner la loi sur la répartition des sièges. Bazala qui dit batté, il y aura des élections. Touro Fati, 99%. Voilà, Touro Fati, 99%. Bazala qui est belé à Rolanda, biso mon ambo kadi donné kaninda, caméra yangoana, banambo kanyos obalandio, parce que Congo Live Télévision, et Zali Tina ba diaspora, ti partout, et kotaka partout, même na katia, ya bureau mokonzi mboka, Congo Live Télévision et Landamaka, parce que tu vois déjà message ya bureau, ya président de la République, awana Congo Live Télévision, alors message nini oyo ko s'adresser na population nyos bazuli bako Rolanda olelo. Tolinga Congo. Au-delà de tout, restons congolais. C'est ça le message. Voilà, restons congolais au-delà de tout. Merci, Napesio, merci d'avoir honoré l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe. Malgré mais prochainement, je serai là à tout moment, à chaque instant, vous aurez besoin de moi. Je n'hésiterai pas de venir. Merci beaucoup. Na bandi te tokomi na suka, na pesi mbote mingi na binu nyonso balandia Congo Live Télévision. Tokutani bongo na mikolo ezali koya. Botika la malamu na mabota na binu.